Ancien champion de tennis, Roger Federer est aussi un bon ami de Kate Middleton. Passionnée de tennis, la princesse de Galles a échangé quelques balles avec le champion suisse sur la pelouse de Wimbledon, et a impressionné son adversaire. Après l'Open d'Australie et Roland-Garros, Wimbledon sera le prochain tournoi du Grand Chelem à être organisé cette saison. Les joueurs de tennis vont donc troquer la terre battue pour le gazon durant les 15 jours que va durer cette compétition. Passionnée de tennis, Kate Middleton n'a pas hésité à donner de sa personne pour assurer la promotion de la prochaine édition de Wimbledon, qui débutera le lundi 3 juillet 2023 à Londres. Le 8 juin 2023, la princesse de Galles est allée à la rencontre de jeunes ramasseurs de balles, qui sont actuellement en pleine formation à quelques semaines du tournoi. Pour l'occasion, Kate Middleton a eu le plaisir de retrouver l'un de ses amis, Roger Federer. Si est-il si bon de vous revoir, lui a-t-elle lancé dans une vidéo mise en ligne sur YouTube le dimanche 25 juin 2023. Véritable légende vivante des courts de tennis, le champion suisse, qui a récemment pris sa retraite sportive, a remporté pas moins de 20 tournois du Grand Chelem durant sa carrière. Il fut notamment sacré vainqueur de Wimbledon à 8 reprises, dont 5 années d'affilée entre 2003 et 2007. Peu après leur retrouvaille, Roger Federer et Kate Middleton se sont affrontés lors d'un petit match amical en double. Est-ce que vous voulez commencer ou je commence? A tout d'abord demandé la princesse de Galles, ce à quoi le joueur suisse a répondu, je pense que vous devriez commencer. Au cours de cette rencontre, Roger Federer fut impressionné par le niveau de jeu de son adversaire. Un coup en particulier a retenu son attention. Je pense que c'était sur la ligne, incroyable, a-t-il lancé avec le pouce en l'air pour féliciter Kate Middleton. Kate Middleton. Roger Federer a déjà donné des cours de tennis à son fils George pour mémoire, cela fait maintenant plusieurs années que Roger Federer et Kate Middleton entretiennent une profonde amitié. Pour preuve, le champion suisse était allé rendre visite à la famille de la princesse de Galles dans leur maison du Norfolk en 2019. Le tennisman avait d'ailleurs profité de son passage pour donner des cours particuliers au fils aîné de Kate Middleton, le prince George. Ce dernier semble d'ailleurs avoir hérité de la passion de sa mère pour le tennis. Par le passé, le prince William avait révélé que son épouse était une très bonne joueuse de tennis, mais aussi une grande compétitrice. À ce titre, Kate Middleton avait été nommée marraine royale du All England Lawn Tennis and Croquet Club par la reine Elizabeth II il y a maintenant 7 ans. Pour rappel, il s'agit de l'association qui organise le tournoi de Wimbledon chaque année.